Oui, donc du coup, j'ai eu un nouveau petit chaton, tu vois. Il est trop mignon. Et du coup, je l'ai appelé gâteau à la crème. Et il est trop mignon, tu vois. Alors déjà, il a des poils mignons. Et blablabla. Ça n'a pas trop l'air de t'intéresser, ce que je dis. Si, 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 si. Moi, je te dis non. Au fait, tu continues toujours tes vidéos Pet Shop sur YouTube? Non, t'aimes plus les patch-up? Oui, non, non, je trouve c'est idiot. En parlant de vidéo, j'ai vu hier sur YouTube, t'avais fait une vidéo. Bon, d'accord, j'ai fait une vidéo, j'aime toujours les patch-up. Ça va, t'énerve pas comme ça, je t'ai rien fait. Oh là là! Non, mais tu m'énerves. Je sais pas, j'ai le droit d'aimer ce que je veux quand même. Non? Oui, mais bon, avoue quand même, c'est un peu pour les bébés. C'est pour les gamins. C'est bien pour les gamins. Toute manière, gamine ou pas gamine, j'ai 11 ans et demi. Alors je fais ce que je veux. Mais Alexia, grandis, grandis, t'as 11 ans et demi. Allô? Reviens sur Terre. Non mais tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Non, tu te prends pour qui pour me parler comme ça? C'est toi qui te prends pour qui pour me parler comme ça? En fait, t'es vraiment qu'une conne. Finalement, je pense que... Je pense vraiment que la vraie Tiffany que je connaissais, elle n'était pas comme ça. Bon, d'accord, on est super différentes, mais t'es vraiment qu'une salope. Comment ça, je suis une salope? Toute manière, t'acceptes jamais ce que ont les autres. Tu veux qu'ils soient tous comme toi. C'est normal. Moi. J'aime des choses crédibles. Et ben montre-le! Et je le montre. Parce que moi, je veux pas aller faire ma belle devant tous les garçons qui passent dans la rue. Vas-y, traite-moi de pute, vas-y! C'est bien ce que je suis en train de dire. Puis je pense que t'as jamais été mon ami. T'as profité de moi. C'est pas vrai. Puis en même temps, 11 ans et demi, je vois ça. Et alors? Ça te fout quoi? Toi, tu te prends déjà pour une adulte. Tu voudrais te bousiller ta vie. Dis ce que tu veux. D'accord, je dirai ce que je veux. Je veux plus jamais te revoir. Moi non plus. Au revoir. En arrivant chez moi. Pour rien. Bah moi, si, c'est comme ça. Bon, j'avoue, t'es en crise d'adolescence, mais quand même, pas à ce point. Bah si. Bon, allez, dis-moi. Je me suis disputée avec Tiffany. Elle disait que les pet shops c'était nul. Et j'ai pas apprécié parce que moi j'aime les pet shops. C'est ma passion. Et pas ne pas aimer les pet shops à cause d'elle. Bah, tu t'es encore disputé avec elle. Oui, je me dispute avec elle, mais c'est normal, on est amis. Ouais. Et moi, je me dis, bah, je peux pas arrêter ma passion pour quelqu'un d'autre, pour le choix de quelqu'un d'autre.
J'aime trop les Pet Shop. Tu peux pas les laisser tomber. Toute ma passion est ici, quoi. Peux pas. Parce que de toute manière, je cherche toujours une mauvaise fille. Mais ne dis pas ça. Si, c'est vrai. Toute manière, j'ai jamais aimé les autres. J'ai jamais aimé les mêmes choses que les autres. Ce qu'on ne dirait jamais. C'est comme si quelqu'un, à 20 ans, il aimait encore les poupons. Mais tu sais, ma chérie, personne ne peut contredire ta passion. Oui, mais si seulement il y avait d'autres personnes comme moi. Je pense qu'il y en a plein d'autres, tels que Choupinette B ou encore Pet Shop Zapping, qui sont, je pense, aussi gentils que toi et qui ont, je pense, un peu le même problème que toi. C'est un peu normal à ton âge que tu ne changes pas de choix. Et imagine, à 20 ans, j'aime encore les Pet Shop. Et alors, ça fait quoi si tu aimes encore à 20 ans les Pet Shop? J'espère en tout cas que toutes les filles que tu m'as citées ne sont pas dans le même cas que moi, les pauvres. Je les plains. En tout cas, ma chérie, vis pour ta passion, pas pour celle des autres. D'accord, maman. J'espère que vous avez compris pourquoi je faisais cette vidéo. Parce que j'ai un peu honte d'aimer les Pet Shop à presque 12 ans. Je suis un peu comme Brice, qui à 15 ans aime les Pet Shop et qui est un garçon. Mais moi, je soutiens tous ces gens qui sont dans le même cas que moi. En tout cas, je vous souhaite tous bonne chance. Mais vivez pas pour votre passion. Pas pour celle des autres. Voilà, c'était mes petits conseils pour vous aider si vous êtes dans le même cas que moi ou en pire. Bon, allez, ciao!